irrévérencieux, impoli, incontrôlable, macho, homophobe, anti-wok, anti-vieux, anti-minorité, antisémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépi Davy. Bref, bienvenue sur Toen TV. Et une grosse tête avec qui tout ce qui lui passe par la tête passe maintenant à la radio, Sébastien Toen. Paul Elkarat. Ah ben voilà. Et tous les gens qui l'a payé. Votre famille est revenue. J'ai alors. Bien fait de revenir. Ça sentait bon dans les loges. Je pensais que c'était le canard WC des chiottes, mais c'est ton parfum, Ziz, non? Ça sent hyper bon dans les loges. Je l'ai mis pour toi. Ah, c'est le tien, Yann. C'est quoi? C'est un nouveau parfum d'Hugo Boss pour femmes qui s'appelle Alive. Ça veut dire vivante, au moins. Ah, bah, c'est pour ça que ça pue. Eh ben non, ça pue. C'est Régine qui a chanté We Survive, I Am Alive. Je survivrai. Jusqu'à quand? Alors, elle a survécu à mon moment, remarquez. Hein. Vous l'avez connue, vous, Régine? Mais non, mais oui, mais oui. Aussi. Ah bah, tous, mais 10 du panier, elle a fait Régine oui. sur scène. Mais je l'imitais 17 ans, j'ai oui. mis tous les soirs, je rentrais dans son corps. Mais non. Oui. Oui. Eh ben, c'est bon, t'as un créneau maintenant qu'elle est plus là. Ah. Je vais prendre la suite. Ah, c'est Christine qui a fait Régine aussi. Vous devrez envoyer par chèque 12 300 euros, on a fait le calcul depuis que vous trichez. 12 300 euros à tous les auditeurs qui ont perdu à cause de vous. Non mais moi, au moins elle répond bien. Valérie, elle utilise son portable mais elle répond mal. Faut le faire quand même. Ok, non mais je m'interroge. Avouez Christine, vous pouvez avouer. Non, je n'avoue rien. J'ai regardé hier ma tenue de mariée pendant l'émission. Vous savez, il y a un truc qu'on peut faire par exemple. Je viens près de vous, là, Christine. Puis on regarde ensemble, on tape Google. Et on regarde recherche précédente. Oh là là. Oh oh là, là. Alors, vous voulez le faire? Je veux le faire. Eh ben, vous allez le faire. Alors, allez-y. Alors, non, mais attends, mais regarde, il y a une photo de Flavie Flamand sur ton téléphone. Ah non, c'est toi, il y a 25 ans. Elle a mis une photo d'elle il y a 25 ans. Alors, comment tu le sais? Je vois d'ici. Elle est en train d'effacer l'historique, là, regarde. Allez, venez, qu'on rigole deux secondes. Allez, venez ici. Moi qui pensais que Christine savait des trucs. Alors, attendez. Je suis déçu. Il n'y a pas un jeune dans la salle qui peut les aider, les deux vieux, là. Même, moi, je peux regarder. Si attends, gros sexe Mozambique, c'est quoi, ça? Et pour tout vous dire, hier, il me manquait un hussard. Et j'ai regardé qui c'était. Bah, vous venez quand même d'admettre... Déjà... Ah, bah parce que je suis honnête. Heureusement qu'elle est drôle, là. Ça la sauve. Une première citation. Tiens, okay. Puisque vous allez je vous marrer. Comment elle répond aussi bien à chaque fois? C'est quand même une animatrice télé, elle doit savoir rien, quoi. Arrête. Ah non, mais vous allez voir que là, maintenant, elle va moins répondre. Ah bah oui, ah bah, je vais bien vous faire chier, je vais arrêter de répondre. C'est vrai que... Oui, pardon, vas-y. C'est vrai que pour hier, quoi. Non, c'est vrai que pour hier, c'est injuste pour auditeur, parce que Kléber, il ne serait pas revenu du tout, donc il aurait pu avoir 300, mais bon, c'est pas... Oui, bien sûr. Mais je te jure, il ne serait pas revenu. Et c'est un auditeur, il lui manquait 300 euros pour sa greffe, une greffe et tout. C'est terrible comme histoire, ce que tu fais, Christine, c'est pas bien. Si on en croit la presse du jour, qu'est-ce qui risque d'être moins jaune? Mon pull? Ah non. Le pastis? C'est vrai, vous avez un pull jaune aujourd'hui. Le pastis? Non. C'est le tournesol? Le tournesol? Non. C'est les dents de quelqu'un? À quelqu'un qui se serait refait faire les dents. Ah, les Chinois? Les Romanov. Non, mais moi, ça me ferait très plaisir, un jour, de vous préparer une paella. Oh bah écoutez, franchement... Ah bah tant que tu chantes pas, moi ça me va. Qu'a fait Yolande d'Aragon au château du Coudray, près de Chinon? Elle a accueilli Jeanne d'Arc. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle l'a félicité pour le siège d'Orléans. Non, mais elle n'a pas fait qu'accueillir Jeanne d'Arc. Elle l'a cachée. Non. Ils ont fait un barbecue? Non. Elle l'a mise dans son lit? Non. Elle l'a initiée au plaisir? Ah, bah non. Mais non. Non, justement, c'est l'inverse. Elle l'a fait initier au plaisir par quelqu'un. Non, elle était pucelle. Elle s'est habillée en homme pour la faire passer pour sa femme. Ah, non plus. Il y a Jeanne d'Arc qui arrive au château. Ouais. Bon, elle s'arrête, elle boit un café déjà. Elle est avec Charles VII et Yolande d'Aragon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Yolande d'Aragon? Alors, c'est la belle-mère. Elle prend un bain. Non, c'est la belle-mère du roi. Du roi d'Espagne. Bon, alors, et qu'est-ce qu'elle fait avec Jeanne d'Arc? Ah,
elle met Jeanne d'Arc dans le lit du roi. Non, non, non. Elle vérifie quelque chose. Elle vérifie si c'est. Elle met le mouchoir comme les gitans, là. Elle vérifie si elle a bien son hymen. Elle, oui. Elle vérifie si sa virginité. Bonne réponse. Et d'où la chanson c'est l'hymen. C'est l'hymen. C'est maintenant la chanson. Il va vérifier votre mec le soir de votre mariage. Ça, c'est pas délicat. Si, ça dépend quel orifice, c'est sûr. Aidé par les bonnes sœurs, hein, monsieur Ruquier. Bah oui, vous vérifiez les deux. C'est extraordinaire. Non, mais... Parce que ce garçon... Vous parlez de Paul Elkarat. Ouais, de Paul Elkarat que tout le monde qualifie de petit phénomène et qui est d'ailleurs très apprécié oui, par mon tous public. Les cassos, ouais. Non, mais c'est mon public, t'aimes beaucoup. Et ah bah, tous les cassos, ouais. En vérité, on pense que c'est un mec qui n'a pas beaucoup d'affect. Qui ne pense qu'à l'argent. Dû à sa pathologie, parce qu'il a une vraie pathologie. Ah bon? Et en fait... Kylian Mbappé est avec Emma Smet, d'après la presse People. Et évidemment, les supporters parisiens sont heureux parce qu'ils se disent, si sa fiancée est à Paris, il va pas s'en aller. Il n'ira pas à Madrid. À Madrid, voilà. C'est quand même un beau couple, vous imaginez un peu. C'est sublime, c'est sublime. Kylian Mbappé. C'est un peu les nouveaux Omar et Fred. Elle joue dans le jeu de la vérité avec, comment il s'appelle, le fils de votre ami Lelouch. Philippe Lelouch. Et voilà, mais c'est pas Philippe Lelouch qui joue, c'est ah, son... c'est les fils, c'est les enfants. C'est les qui enfants jouent qui jouent. Claude Lelouch. Oh là là, on s'en sort plus avec les dynasties là. Ah oui. Il est temps que la Starac revienne et qu'il y ait de la nouveauté. Ah, c'est dingue. Hein. C'est comme dans le BTP, c'est Piston et compagnie dans ce métier. Hein. C'est-à-dire. Pourquoi dans, bah, dans le BTP, BTP hein, entre eux, ils se refilent les boîtes. Oh, et Louis Dacosta, il a filé sa boîte à Georges Dacosta. Voilà. Vous en êtes où dans vos amours, vous, Paul? Non, alors Mbappé... Non, je sais pas. Alors, cette infirmière, elle en pense quoi? Avec Alessandra Sublet, vous en êtes où? Non, ça, c'est pas moi, c'est Tocure, hein, ça. Faut arrêter, hein. C'est vrai, il y a moyen qu'elle Sublet? Mais laisse-moi... T'as, elle m'excite, son côté un peu pharmacienne lubrique, là. Quel parc vous préférez, Paul? Ben, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, parce que comme j'ai vécu la moitié de mon temps... En Outre-mer, je vais pas aller au parc. Oh bah le Louvre, t'aimes pas le Louvre? On va vous emmener au parc. Hein, ah oui, le Louvre. Vous voulez pas l'emmener au parc? Mais ah oui, bien sûr. Ouais. Vous prenez le 2 plus 2? Oui. Ouais, on ira faire ça, ouais. C'est quoi le 2 plus 2, monsieur? C'est un super club échangiste. C'est un club échangiste. Montparnasse. Vous connaissez ça, vous, Liane Folie? Mais ben, je connais, oui. Oh. Le 2 plus 2, c'est historique, c'est un club. Vous êtes déjà allé, vous, Christine, dans un club échangiste? Ouais. Elle y a été avec Yannick Noaï, par exemple. C'est une boussole. 20 cm, c'est assez grand pour un oiseau. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le grand indicateur. 20 cm. Ah, c'est une mouette. C'est un prédateur. Ah non, non, non. Alors, il vit surtout en Afrique subsaharienne. Ouais. Il vit dans le désert, oui. Voilà. Mais... Ah, bah quand quelqu'un meurt dans le désert, il survole? C'est-à-dire. Et donc il indique qu'il y a un mort. Ah, vous pensez à un vautour, non, vous, alors. Parce que les vautours, ils les mangent. Ah, quand on le suit, on trouve un puits. Tu m'as fait loin. Quand on le suce. Ah, il suit le vol. Quand on le suit, oui, on trouve quelque chose. Une voilà. Oasis. Des oasis, de non, l'eau, quoi. Non. Non, alors voilà. Ah, un camp de Daesh. Et donc cet oiseau a la particularité de se nourrir de cire et de larves d'abeilles. Et ben voilà, et voilà pourquoi. Et Marie-Claire, excusez-moi, mais les ours, ils trouvent pas du miel aussi? Les ours trouvent du miel aussi. Ouais, oui, parce que oui, nous, à Canal, on envoyait Bruce Toussaint à la cantoche. Exactement. Dans votre livre, Le miel, une autre histoire de l'humanité, vous nous dites surtout qu'aujourd'hui, il faut se méfier du miel qu'on achète justement dans les magasins, parce que c'est du sucre avant tout, plus c'est que ça. Du miel. Malheureusement, il y a beaucoup de fraudes concernant les miels. Ouais. Premier prix, vous voyez que vous trouvez... dans les supermarchés, il y a beaucoup de risques que ce soit uniquement des sirops de sucre colorés, aromatisés. Mais c'est vraiment des salopes Carrefour Market. Artificiels. Et il y en a qui se laissaient aller aux farnientes, qui n'étaient pas sérieux dans leurs travaux. Et le maréchal Joffre, qui est le chef des armées, a décidé d'en virer quelques-uns de l'armée en les envoyant à Limoges. Je ne sais pas pourquoi Limoges, par contre, pour la porcelaine peut-être. Mais en tout cas, cet ensemble de généraux mis en résidence à Limoges a donné le terme limogé pour toute personne qui est virée de son travail. Là, je crois qu'on a tous les détails. Bah, c'est oui. Parfait. Bravo pour Didier Parra. C'est quand même dommage. Quoi? C'est dommage qu'il soit aussi vilain, sinon il niquerait à couilles rabattues, lui.
Ah, vous êtes prêt à apprendre des choses avec Liane Folie? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la folie. Ouais, ouais. Elle vous plaît pas, Liane? Mais ça n'a rien à voir. J'ai pas pensé à ça une seule seconde. J'ai pas pensé à ça. Non, mais pas les femmes mûres. Non, je suis sa fée, moi. C'est, ouais, c'est un... Mais mûres, pas pourries, mûres. Pas pourries. C'est pas mûr. Comme les fruits et légumes. Non, comme ça, Liane, elle est parfaite, elle est al dente. Là. Ah. À point, ouais. C'est, bah, c'est une jolie femme, Liane Folie. Sublime. Moi, bah, franchement, alors, franchement, si, au camping, si. Au camping, je la vois en train de faire sa vaisselle, je me tombe dessus. Hein. Ah ouais, Sylviane, elle est super. Franchement, Paul, je vous trouve sévère parce que. Mais j'ai rien dit. Il a rien dit. Mais il est fou, celui-là. Mais non, mais ce qu'il excite, c'est Ziz. Voilà. Si j'étais jeune, hétéro et puceau, j'irais tout de suite. Hein. Ah, merci, Laurent. Bah, il préfère peut-être Christine Bravo. C'est ça. Avouez. Ouais. Et je vais pas avouer un truc. Imagine devant un feu de cheminée en regardant les Alpes. Ah, ça, c'est elle serait bien. Là comme ça, là, comme une peau d'ours, tu sais. Mais... mais dis donc, en fait, t'es un mec totalement normal, toi. Hein. Mais bien sûr. Mais en plus gentil. Oui, exactement. Je joue tellement bien. Ouais. Mais tu quand je pense qu'il va démonter Liane. Putain. Et juste après l'émission, là. Peut-être même devant le public. C'est... On fera franchement, payer. Un beau souvenir. On fera les selfies et tout. Ah bah oui. On fera payer. On fera payer. On fera payer. Okay, franchement, Paul. C'est beau quoi. Ça, c'est un beau souvenir de l'émission, ça. Non mais ils sont malades. Ça fera un podcast. Ils sont malades. Non mais tu vas. Ça, vous n'avez pas le choix. C'est ça ou Yoann Riou. Pouvez-vous me donner le mot le plus long de la langue française qui est un palindrome? Ressasser. Oh bah il sait ça aussi. Oh le verbe ressasser. C'est le verbe, c'est le mot le plus long de la langue française qui se lit dans les deux sens. Ah, j'ai joui. Ressasser, R-E-2-S-A-2-S-E-R, ressasser se lit dans les ah oui, deux dans sens. Sens. Mais ça fait ressasser aussi. Eh ben oui. Ah, c'était ça la question. J'aurais trouvé, le patron. Mais ils sont... Fallait me le dire, moi, c'est tout. C'est le mot palindrome le plus long du vocabulaire alors français. Alors que ressucer, non. Non, non, ressucer, ça marche pas. Ça marche dans les deux sens. Ah non, bah ça non. Marche pas, ressucer. Non, bah non. Ah bah non, 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 non. Ça marche ah, que. Ah dans... parce que vous mettez un C, vous mettez. Mais un... parce que oui, c'est bah... S-U-C-E-R. C'est pas S-U-C-E-R. Alors ça marche dans les deux sens si c'est deux mecs qui se connaissent. Non, ça dépend. On connaît encore Brumel aujourd'hui. Patrick on... Brumel, oui. Non, non, mais on dit, disons que tu t'es fringué chez Brumel, c'est une expression, c'est et il était très ben bien. On voit bien les jeunes qui oui, disent ça sur Instagram. Il était considéré de son vous temps. Vous avez remarqué le hashtag, tu t'es fringué chez Brumel sur Instagram, on l'a bien vu le hashtag. Merci Laurent, ouais, ouais, merci patron. Ouais. Non mais c'est bien, les jeunes ils disent Darka, Rasra et tu t'es fringué chez Brumel. Sinon, Brumel. Chez Brumel, enfin au printemps et ouais. Le printemps il y avait un rayon printemps Brumel ouais. Et ça vient évidemment de ce dandy britannique exactement. Né à Londres en 1778, mort dans la misère en oh revanche ouais. Hein, c'est ça. Du côté de Caen. Ah bah comme tous les dandys. En fait, hein. il est parti au nord de la France parce qu'il voulait se faire une santé et il était déjà gravement malade. C'était un dandy qui était au fait de sa gloire, qui était considéré comme le plus beau du royaume et qu'au final a quand même mal fini. Il avait plus trop de sous et puis il était plus trop considéré par la gentry. Et surtout, il est mort de la syphilis, ça peut vous dire. Ah oui, Florian Gazan, quoi. Oh là là. La même trajectoire que Florian Gazan, c'est terrible. Alors, à part peut-être le style, parce que bon, on en dit. Madame Mérès, pouvez-vous me dire, Valérie, qui est Bernard Cazeneuve? Oh bah, Bernard Cazeneuve, c'est un ministre. Actuellement. Enfin, c'était un ministre. Bah ouais. C'était un ministre, et puis il a soutenu la Pécresse, non? Oh. Bon, bah écoutez, vous êtes éliminé. Il est socialiste. Il est comme de chez toi, il est de gauche. C'est un ancien Premier ministre. Ah, voilà. La Rochelle, il se voyait. Le nom me disait quelque et chose. Et il est socialiste et il menace de quitter le PS. Mais oui, je le savais en plus. mais c'est trop tard. Ah, socialiste, putain, socialiste, oh. J'ai vous, confondu. Vous êtes éliminé. Au Parti Socialiste, tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Au Parti Socialiste, tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Au Parti Socialiste, tout le monde s'en va. Au Parti Socialiste, pardon. Socialiste, socialiste, oh. Socialiste, socialiste, ah. C'est pour meubler, il n'y a pas d'ambiance là. Connaissez-vous cet Allemand, Ernest Greifenberg? Ah oui. Un chercheur allemand. Oui, c'est lui qui a donné son nom au point G, point Greifenberg. Ouais.
Exactement. Ah oh, ben il connaît même le point G, ah, alors là. Moi, ça je le savais. Alors, non, là. Non, non. Je savais, ça n'est pas faux. Et le non. Là, il le savait. Non, non. Tu sais quoi, Paul? Il a trouvé, mais prouve-le. Va voir Liane. Vas-y. Allez. Allez, va voir. Allez, vas-y, montre-lui. T'as vu, il a sauté, hein. Non, mais il sait ce que c'est, mais il sait pas où c'est. Comment ça c'est, vous connaissez le point G, vous? Il est bon en théorie, hein. C'est un. Enfin. Ah non. Enfin, on le connaît. Il connaît le nom de mec. Je connais pas. Je connais les coordonnées GPS, madame. On n'a pas le temps. Je disais que c'est un sexologue allemand, oui, qui a découvert le lieu de la jouissance féminine. Voilà. Ah, et c'est où le lieu de la jouissance féminine? Alors, c'est latitude nord, 30 degrés. Je sais pas. Mais je peux pas l'expliquer. Je crois que c'est entre le trou de balle et les couilles. Charlotte Gainsbourg, qui est une excellente actrice et qu'on voit trop peu à mon goût dans les comédies, parce que là, moi, où je l'avais trouvé formidable, c'est avec Chabat, vous vous souvenez? Ah oui, Prête-moi ta main. Dans Prête-moi ta main, c'est très réussi. Qui a un très bon film X aussi. Mais vous avez une collection de films X. J'ai fait 6 ans au Journal du Havre, bah, oui, forcément, oui. J'ai une culture. Mais comment vous êtes retrouvé au Journal du Havre? Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Je crois qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Ils se sont dit, on va mettre un zozo au Journal du Havre, et je sais qu'ils ont proposé aussi à Gaspard Proust, votre ami, là. Si, si, et il a refusé, Gaspard. Vous parlez à l'époque de Salut les Terriens et tout ça. Ah, c'est à cette époque-là, vous, mais oui, le Journal du Havre. Oh là là. Par contre, je me transforme en auditrice des grosses têtes. Ah oui. D'accord. Et elle est plus avec Zizi Jean-Mer. D'accord. Je me transforme en public. Merde. Je vais vous dire que les gens vous aiment beaucoup. Ah oui. Hein. Ah, et bon, ça, non mais franchement. Bah, moi, c'est pas ce qu'ils me disent. Hein. Ah, si, 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 si. Allez, vous avez une cote vis-à-vis du public. Moi, j'en sens que des saloperies. C'est à double tranchant. Moi, il y a mon boucher, il m'a dit, ah, il est là, qui présente et qui rigole tout le temps, tout le temps. Je suis là en rue, qui fait oui, voilà, je peux pas le voir. Moi, mais si, rigole pas tout le temps, il y a pas d'animation. Enfin, c'est compliqué. Ben oui, moi, je rigole, je rigole. Je me force, vous savez. C'est pas drôle tous les jours ici, hein, Christine. Ah, bah oui. C'est difficile, hein. Et vous, monsieur Paul Elkarat, qu'est-ce qu'on vous dit alors? Que je me débrouille très, 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 très bien aux grosses têtes. C'est vrai? Oui, et que parfois je prie pas mal de sous à TF1 aussi. Et que j'y suis très fort et que j'ai beaucoup de culture. Voilà, mais ça, c'est à la clinique, mais dans la vraie vie. Louis XI, c'était dans votre secteur, ça, Louis XI, madame Bravo, pas? Quel secteur? Bah. L'histoire. L'histoire de France. Non, c'est pas mon. Je préfère Louis XII. Louis XI, Paul. Avec ses fillettes. Voilà. Il serrait un peu la vis. Hein, c'était, ouais, pas, il était pas très sympa. C'était la question. Comment appelait-on les cages? Les fillettes. Sous Louis XI, c'est des vrai. Fillettes. Bonne réponse. Alors maintenant, ah, même les questions. Allons, pas l'emploi. C'est tout ce qu'on retient de Louis XI. On t'appelle les fillettes, c'est ça? Ouais. Ah, et on fait chier Jean-Luc Ley, alors que Louis XI, il a fait n'importe quoi. Oui, ouais. Ça, c'était les cages dans lesquelles il enfermait ses prisonniers. Ouais. Il s'asseyait sur une chaise et il les regardait. Et ça s'appelait des fillettes, les cages. Total. C'était un fou, hein, Louis XI. Un peu fou à la fin. Oh, mais bon, heureusement, du temps a coulé depuis. Hein. On ne sait pas ce que fait Macron avec les gilets jaunes qu'il arrête. Effectivement, c'est le dictateur cambodgien Salote de son prénom, Sar de son nom de famille. J'ai une lettre presse avec un P, c'est parfait. Quoi. Bah oui, mais on le connaît mieux sous le nom de Pol Pot. Excellente réponse supplémentaire. Je vais essayer de trouver quelque chose vraiment. Ça va en face, vous faites pas trop chier. Les trois, elles sont là. L'autre, elle écrit à son agence, c'est bon, j'ai pris 500, tranquille. L'autre, elle a dit, c'est bon, il y a Elkarat, je fais semblant de dormir. Ziz, elle est en train d'acheter une autre bite. Enfin bref, voilà. J'ose espérer qu'elle veut aller plus vite que moi, peut-être. Parce qu'il y en a marre que c'est moi qui réponds tout le temps. Ah, c'est ça, c'est ça arrive tout le temps. Hein. C'est de votre faute. C'est pas très. C'est peut-être ça. Peut-être, hein, je suis pas. Bah, c'est une supputation. C'est il a un melon, le légume. En 36, Monsieur Blaisdell a déposé un brevet. Ah, le rasoir? Non, c'est pas le rasoir. Juste du panier à pas son rasoir près du poudrier. Est-ce que ça dépend pourquoi, mais pour être une pince à épiler? Non, c'est pas quelque chose qui a un lien avec le maquillage. Est-ce que le recul, c'est devenu mais électrique? C'est vrai qu'on a parfois ça dans son sac à main. La brosse à chatte? Quand on prend. Le numéro 14, il s'agit d'Émile Broutin. Oh, monsieur Broutin est sûrement chez lui à LM, dans le Nord. Ça a sonné chez monsieur Broutin. C'est une valise toute neuve. Autant vous dire, elle a été gagnée hier. Première sonnerie. Oh. On est à LM, dans le Nord. Allô, allô. Bonjour, Émile. Émile, oui. Émile Broutin. Oui.
Vous avez le plus joli prénom du monde. J'adore votre prénom. Le prénom d'Émile Zola. Émile Louis. qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émile ? Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Ah, ça va plaire à Christine. Elle adore les routiers. Elle adore les routiers. Vous livrez quoi et vous chauffez quoi ? Du shit. Je... Non, je livre des médicaments. Des médicaments. Ben écoutez, un bon médicament. Ramenez du Viagra. Il aime, c'est à côté de Lille. Ah, je peux vous en ramener en studio du Viagra si vous voulez. Ah oui, pour Laurent. Ziz du panier veut vous dire quelque chose. Oui, il aime, c'est à côté de Lille, c'est bien ça. Tout à fait, oui. Eh ben moi, je viens jouer à Lille dans quelques jours. Je vous invite à la Comédie de Lille. Ah ben, c'est avec plaisir. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il est sympa, Ziz. vous la connaissez, Ziz du panier? Je la connais comme ça à la radio. Elle est plus drôle sur scène, rassurez-vous, elle est plus drôle sur scène. Ben là, vous allez, vous allez la voir en vrai. Par contre, ouais. J'adore Sébastien Thoen. Eh ben, prouve-le, envoie du Viagra.